Salut à tous, bienvenue dans ce tout nouveau numéro de One Shot sur Script.fr. Heureux de vous reparler 8e art, puisque c'est aussi l'un des objectifs de cette émission. Vous parler de films lorsqu'ils sortent au cinéma, mais aussi vous parler du petit écran. Et bonne nouvelle, septembre arrive, la rentrée débarque et de nouvelles séries seront proposées. Et on vous en parlera très probablement, puisque Inhumans débarque d'ici très peu de temps. Alors la dernière émission One Shot consacrée à une série télé était dédiée à Iron Fist, le dernier produit Marvel et Netflix, et continuons sur cette voie puisque nous allons vous parler de The Defenders. Nous avons eu la chance de découvrir les 4 premiers épisodes, soit finalement la moitié de la série, et avec moi pour en parler, les Defenders de Script.fr, Samir, le Luke Cage de Script.fr. Pour les muscles, hein. Pour les muscles, on est d'accord. Tout à fait, et Adrien, la Jessica Jones pour les cheveux tout de Script.fr. Et moi je suis, vous le devinerez, un peu Iron Fist, ça se voit avec... Iron Fist qui est toujours le sosie de Michel Gondry et du leader du groupe Aaron. Le groupe de musique. Ah oui, oh la vache, le vieux groupe. Oui. Il se ressemble, c'est assez dingue, c'est assez dingue. Alors, vous connaissez la question traditionnelle de cette émission, attendions-nous The Defenders? Personnellement, oui, je l'attendais, j'attendais beaucoup, quasiment autant que le premier Avengers en fait, parce que apparemment je suis un grand fan de Daredevil, de Cage, puis vu les qualités qu'on a eues de la série, des séries Netflix, bon, à part malheureusement Iron Fist, mais on peut pas être bon sur 5 saisons d'un filet comme ça, je me disais ça va être génial, donc oui, je l'attendais, et voilà. Adrien. J'étais curieux de voir ce que ça pouvait donner, le rassemblement de ces héros-là, et puis curieux aussi du fait que à la production et à la scénario, il y avait donc Douglas Petri et Drew Goddard faisant partie de la team de Whedon. J'aime bien ces deux gars, donc j'attendais avec impatience. Grand fan de Whedon, ce Adrien. Alors, vous le savez, puisque vous avez très probablement vu notre one-shot sur Iron Fist, j'ai été très déçu par Iron Fist d'abord, parce que ça pouvait être une grande série, puisque Iron Fist est un personnage super intéressant, c'était celle de tout ce lot Marvel Netflix la moins intéressante, la barre était haute, et pour moi il y avait une vraie carte à jouer en fait pour Marvel et Netflix avec Iron Fist. Et ils l'ont loupé. Ça pouvait être une ouverture sur plein d'autres choses. Ils ont raté, en fait, ce grand boulevard. Sans revenir une énième fois sur Iron Fist, sur la déception qu'on a eue, c'est parce qu'en fait, ils ont simplement pas pris... Ils auraient pu prendre un autre tournant. Et ils ont voulu tourner ça, malheureusement, un peu comme un Batman. Un peu comme un Batman Begins, j'ai l'impression, ce retour un peu de l'enfant prodige. On aurait pu avoir quelque chose d'autre, autant au niveau cinématographique qu'au niveau scénaristique. Pourquoi pas un dernier run qui soit pas un Danny Rand, mais un jeune asiatique, ça aurait été super au niveau de l'ouverture à tous les niveaux ethniques ou culturels. Ils ont pas pris le pli, voilà. Mais maintenant, il y a The Defenders, une série. Bah, c'est assez curieux parce que j'ai jamais vraiment cru en fait au projet. Dès le départ, quand ça a été annoncé par Jeff Loeb, je me suis dit, bon, j'y crois pas, je pense que ça sera pas. Et au fur et à mesure des séries, au fur et à mesure des, bah voilà, de ces épisodes assez qualitatifs, hein, que ce soit Daredevil, que ce soit Jessica Jones ou Luke Cage, l'excitation montait, et même avec Iron Fist, série encore une fois que je n'ai pas aimé, je m'étais dit, bah, peut-être que le personnage peut être très intéressant dans l'intrigue, il peut avoir un vrai rôle. Bah, ça me rappelle un peu l'effet Captain America. Film pas super folichon non plus, pas, ben, il se regarde, c'est un popcorn, mais qui est pas génial. Mais pourtant, on attend avec impatience qu'ils viennent parce que ça annonce du coup Avengers. Et ben là, Iron Fist m'a fait la même chose en fait. Moi j'attendais beaucoup d'Iron Fist. Hein. Je suis un grand fan des films de Kung Fu. Et Iron Fist, le personnage lui-même est une ode aux films de Kung Fu. Bruce Lee, plus même les chambres de Shaolin, même la série Kung Fu avec David Carradine. Repose en paix. Karate Kid, bien sûr. Et voilà, malheureusement, on n'a pas eu ce qu'on attendait. Defenders, on va voir. Revenons donc à Defenders. Alors vous le savez, messieurs, puisqu'on se côtoie tous les jours, on dort ensemble, on vit ensemble. La famille, comme dirait ce... On utilise le même savon. Ce bon vieux Vin Diesel, on utilise le même salon. Vous le savez, je ne suis franchement pas le plus grand des fans des productions Marvel, même si j'apprécie plutôt ce qui se fait chez Netflix. Mais voilà, Agents of Shield, c'est une série que j'aime pas. Le
ce qui se fait chez Marvel Studios, je suis pas un très grand fan, mais je dois vous avouer, très roulement de tambour, très étonnamment, franchement, vraiment, j'ai vraiment adoré Defenders. Vraiment, vraiment, vraiment. J'ai pris mon pied et je n'ai qu'une hâte, en fait, c'est que la série sorte et que je puisse découvrir ces quatre derniers épisodes. Donc les gens, vous avez compris, le 18 octobre, pas la peine d'appeler Lille, il est pas là. Ne m'appelez pas entre 8h et midi, c'est pas la peine, je serai sur Defenders. Parce que je trouve qu'en fait, la série a réussi un pari qui était très audacieux, qui... je trouve ne s'est jamais vraiment accompli au cinéma. Alors vous me direz, c'est différent, il y a d'autres ambitions économiques, il y a plus de personnages, il y a moins de temps pour développer voilà toutes ces intrigues, mais dans Defenders il y a un véritable équilibre entre les personnages. C'est-à-dire que montre en main, honnêtement, il faudrait chronométrer, mais je suis à peu près sûr que chacun des héros, que ce soit Daredevil, que ce soit Jessica Jones, Luke Cage ou Iron Fist, ils ont le même temps de présence dans chaque épisode. Et chacun d'entre eux vous amène des éléments dans, en fait, cette grande enquête. Les quatre premiers épisodes, c'est en gros une grande enquête. Chacun d'entre eux vous amène vers un autre chemin, vers d'autres pistes. Et le rassemblement de ces quatre héros, en fait, se fait d'une manière très naturelle, très douce. Et je trouve que c'est super agréable. Alors parfois c'est très caricaturé la façon dont on les voit. On va voir Daredevil, il y a une lumière rouge derrière. Jessica Jones, des néons bleus. Luke Cage, une ambiance un peu jaune, un peu hip-hop. Iron Fist, d'un coup, on ne sait pas pourquoi. Il y a des projecteurs verts. Bon, on a envie de dire en réel, écoute Jean-Pierre, t'es bien aimable, mais je suis pas non plus un débile, t'es pas obligé de me marquer à chaque fois avec des codes couleurs. C'est Michel Mixage. Les héros. Non mais voilà, c'est un peu dommage. Et d'un autre côté, ça me dérange pas tant que ça. Ça fait très comic book. Ça passe, franchement. Enfin, voilà, honnêtement, encore une fois, j'ai vraiment pris mon pied. Il y a un côté beaucoup plus super héros, héroïque à Defenders, qui a parfois ses côtés négatifs, mais moi, je crois que ça me faisait du bien dans ces séries qui parfois étaient un peu plombantes d'Daredevil, même si j'ai adoré. Et des moments où on a envie de se pendre avec Matt Murdock. C'est pas possible. On veut passer à Casto, on prend le lot de cordes et on l'attache. C'est pas possible. Adrien, qu'est-ce que tu as pensé de Defenders ? Pour rebondir à ce que tu viens de dire, c'est vrai que peut-être qu'ils mettent le doigt sur certaines choses de certains personnages, du fait que par rapport à ces premiers épisodes, on peut ne pas avoir vu d'autres des autres séries de unitaires. Ça permet dans le premier épisode, le pilote entre guillemets, de nous mettre en avant les personnages pour directement rentrer dans l'action et ainsi ne pas se coltiner si on n'a pas envie, si on n'a pas eu l'occasion de voir les autres épisodes, l'histoire de chacun, de comprendre un peu la trame qui se joue à travers The Defenders. Donc c'est vrai que ces quatre premiers épisodes pour ma part, ils sont un peu lents, longs à démarrer. Jusqu'au rassemblement, comme on vient de le dire, c'était plutôt un... pour ma part, je suis plus nuancé. C'est vrai que j'étais assez ennuyé au début, parce que je me suis dit, ça va démarrer quand on comprend. Donc, mais une fois que c'est parti. Donc, c'est vrai que je suis comme toi. Je me dis, voilà, vivement les quatre prochains qu'on puisse voir où ça va nous mener. Mais dans l'ensemble, c'est vrai que ça vaut le coup d'œil, quoi. Samir. Moi, malheureusement, la magie s'est vraiment pas opérée tout de suite. Hein. Moi, j'étais même à la fin du premier épisode, je me suis dit, ah voilà, bah, zut, alors, la magie Marvel Netflix est terminée. Parce que ce premier épisode, qui est un épisode d'ouverture, donc qui tombe malheureusement dans certains clichés propres aux épisodes d'ouverture, notamment de crossover. D'un autre côté, je crois que c'est la première grosse série crossover, il me semble pas qu'il y ait, parce qu'il y a eu des épisodes crossover, bien sûr, mais une série entière crossover, j'en connais pas. Il y a eu des épisodes crossover experts. Mais peut-être entre plusieurs séries experts. Il me semble pas qu'il y ait eu de séries crossover, vraiment que du crossover, il me semble pas. À part, évidemment, chez Saban Power Rangers, où là, il y a eu, en effet, beaucoup de séries crossover. Du coup, moi, la magie, c'était pas opéré de suite. Puis, au fil, je me suis laissé un petit peu tenter par ce petit ovni Netflix. Hein. Je me suis dit, d'accord, on tombe sur des choses qui sont très convenues, mais en même temps, c'est les personnages nous portent. Et comme je l'avais dit la dernière fois par rapport à Iron Fist, la vacuité de ce qu'on raconte ne me dérange pas trop, tant qu'on me le raconte de belle façon. Et là, malheureusement, on tombait sur du convenu,
mais au fur et à mesure, j'ai apprécié la série jusqu'aux épisodes 3 et 4 qui sont pour moi culminants. Et en fin de compte, on se retrouve dans ce qui est fait souvent dans les séries Netflix, c'est milieu de saison, gros boom, et là c'est parti, mon kiki, on envoie. Voilà, on envoie. Et là, franchement, je suis impatient de voir les 4 épisodes. Ouais, ça m'étonne assez quand même que vous pointiez du doigt l'aspect long et lent de la série, parce que Netflix, c'est ça, je veux dire, surtout les séries Marvel, ça a toujours eu du mal, ça prend son temps, on critique souvent les films en disant, bah voilà, ça va très vite, il y a des personnages qui sont un peu laissés à l'abandon. Et on n'a pas ça avec les séries Netflix. Et tu le disais, le premier épisode, il sert de point de départ pour aussi des gens qui n'ont peut-être vu que Daredevil, n'ont peut-être vu que Jessica Jones ou n'ont peut-être rien vu. Ça permet aussi voilà, d'avoir des points d'accroche pour comprendre un minimum ce qui va se passer dans l'intrigue. Le premier épisode est long, mais je trouve que franchement, les personnages sont bien installés. On est prêt à attaquer, on est prêt. Un truc qui me dérangeait dans Avengers, c'est que je trouvais que l'équipe, elle se construisait, mais en 20 secondes, c'était fait. Ça prend son temps, mais ça a plus de logique, je trouve. Et en plus, la construction de l'équipe, elle se fait avec le développement de l'intrigue au fur et à mesure. Je trouve que c'est pas mal. Après, peut-être cet avis qu'on a ressenti, c'est du fait que l'on ait vu les autres séries. Donc, il y a pas mal de redites. Mais ce qui fait aussi la force de The Defenders, c'est voilà, peut-être le fait de ne pas avoir vu. On peut s'y mettre directement dans le bain, on comprend. On nous refait des références à ce qui s'est passé entre les groupes, les binômes, les vies de chacun. Donc l'évolution aussi, par rapport à l'évolution de ces personnages, c'est vrai que Iron Fist, que l'on a tous les trois pas vraiment apprécié, là, moi, j'ai un peu plus d'empathie. Et il est intéressant et je l'aime bien, le petit bonhomme. Ah, mais je dis une connerie, moi, là. Legends of Tomorrow, c'est une série crossover. C'est vrai. Oui, mais en fait, c'est un épisode. Oui, mais c'est une série. C'est pas une série crossover. Hein. Bah, avec plein de. Les gens sont c'est quand même plein de petits personnages. Ouais, c'est autre chose. Mais vous voyez, là, un épisode crossover de héros de série. Ouais, c'est vrai que c'est. Voilà. Mais là où moi, ça me pose, c'est que ça a vraiment commencé à péter à partir du milieu de saison. Mais le problème, c'est qu'il y a que 8 épisodes. C'est vrai. Alors, ça, c'est ça qui est court, en fait. Je pense que la série, honnêtement. Enfin. Encore une fois, on est à la moitié de la série. On peut pas vous révéler beaucoup de spoilers. On a signé voilà un embargo. On peut pas vous dévoiler beaucoup de choses de l'intrigue, mais l'idée c'est de vous donner à peu près voilà, une photographie de l'ambiance. C'est vrai que pour l'instant, en milieu de saison, on dit ça mériterait probablement encore au moins 2 épisodes. C'est un peu court. Maintenant, je trouve que ça, honnêtement, ça va pas plus lentement qu'un Daredevil. Ça va pas plus lentement qu'une série comme Luke Cage. C'est une vraie série d'ambiance. Je veux dire, il y a très peu d'action. Ça se construit au fur et à mesure, ça creuse, c'est un peu long. Il y a peut-être moins cet aspect psychologique, un peu torturé, plus intellectuel dans Defenders. On est dans un produit plus pop-corn, entre guillemets. Bah, vraiment, c'est ce qu'on attend, je pense. Moi, c'est ce que j'attends de Defenders, c'est ça. C'est vraiment un action-packed série. Avec, évidemment, quelques subtilités, bien sûr. Je veux pas non plus un Arrow ou autre. Non, je veux une série quand même qui me parle avec quelque chose. Néanmoins, je trouve cette série sombre au niveau de la lumière. Alors la photographie est vraiment très très sombre parce qu'il y a beaucoup de scènes de nuit dans ces 4 premiers épisodes. Il y a énormément de scènes de nuit. Après, c'est aussi peut-être ce que veut la série. Daredevil étant un personnage aveugle, Jessica Jones, il y a que Iron Fist en fait et Luke Cage qui se balade en plein jour entre guillemets. Du coup, moi je trouvais ça très très sombre et du coup on tombait vraiment sur un redit de ce qui avait été fait dans les autres séries. Et moi j'aurais voulu quelque chose d'un peu plus funky et surtout des meilleures scènes de combat, bon sang les gars, s'il vous plaît, donnez-moi du combat. C'est vrai que il y a quelques... Non, ils sont pas réussis. Il y a quelques scènes de combat plutôt sympas. Non, l'intro, je trouve qu'elle est pas réussie. Ah non, moi je trouve l'intro, elle est vraiment géniale. Non, les scènes sont... ou alors c'est Finn Jones qui sait pas se battre. On voyait l'écoute et qui était vraiment téléphoné. Non, franchement, je trouve l'intro, elle est vraiment bien. Elle nous met dans le bain. Directement. Je trouve que c'est plutôt bien foutu. Non. Je trouve, il y a quelques bonnes scènes de combat. Il y a une bonne dynamique dans un premier affrontement entre Iron Fist et Luke Cage. Sur une première partie qui est plutôt sympa. Il y a quelques combats avec Daredevil qui sont cool. Mais c'est vrai que, de la même manière qu'Iron Fist, que la série Iron Fist, les combats
avec ce personnage qui devrait être les plus spectaculaires, ne le sont pas. Et ça, c'est un vrai problème. Le personnage de Luke Cage, qui devrait être quand même cette grande masse, une sorte de Superman qui peut se prendre, qui peut se faire tirer à tire-larigot sans problème. Quand il se prend des impacts de balles, on a l'impression que c'est sketch de Michael Cull où il a des pétards sous. C'est pas l'impression. On voit limite carrément les pétards sous la veste. C'est triste. Il y a aucun impact. Il y a aucun point d'impact. Les combats n'ont pas de poids. Voilà. Je vous conseillerais de chercher on mettra peut-être en lien d'ailleurs. Un reportage sur l'importance du poids dans les scènes de combat où Jackie Chan explique en partie. C'est simple. Peu importe ce que vous mettrez comme fioriture autour, si on n'a pas l'impression que le poing pèse plusieurs kilos lorsqu'il touche le personnage, on saura que c'est factice. Eh bien, ça marche aussi pour Luke Cage, même pour Jessica Jones, parce que Jessica Jones aussi a une super force. On le voit très peu. On voit très très peu, et pourtant une super force. Elle soulève un gars, le mec fait juste ça, et t'as une grosse fissure qui apparaît dans le mur. Pareil pour Luke Cage. Et quant à Iron Fist, c'est triste. Bon, c'est vraiment triste que je trouve que les combats de David Carradine dans la série Kung Fu étaient bien meilleurs. Et pourtant, une série qui a plus de 30 ans, s'il vous plaît. Et même des séries comme Power Rangers sont de bien meilleurs combats que ce qui se passait avec Iron Fist. Et ça, c'est réellement triste. C'est assez marrant que tu parles de Jessica Jones. Moi, honnêtement, son côté super pouvoir, je m'en fous royalement, en fait. Ce que j'aime... C'est la porte, alors. C'est son côté détective, en fait. Moi, c'est ça qui me fait vraiment, vraiment aimer le personnage dans Defenders. Et ce qui fait que c'est mon perso préféré, en fait, tout simplement. Parce que c'est quasiment elle qui amène le plus de pions dans l'échiquier et qui fait avancer la série d'un point de vue peut-être plus humain. Et surtout aussi qui amène... quelques moments drôles, quelques moments cocasses. Honnêtement, c'est pas Matt Murdock qui, avec sa gueule de dépravé, qui a plutôt envie de se pendre, qui va vous apporter de la joie. C'est pas non plus Luke Cage avec son côté un peu bon samaritain. Il a quelques bonnes répliques, mais enfin voilà, c'est pas lui qui amène l'humour, très honnêtement. Sauf une très bonne scène avec Rosario Dawson dans l'appartement, mais j'en dirai pas plus. Mais ils avaient dû acheter des meubles Ikea. Moi, je te rejoins sur ce fait que, pareil, pour ma part, c'est vrai que Jessica Jones, c'est un de mes personnages préférés, c'est mon personnage préféré. Mais par rapport à la team, là, c'est vrai que c'est déjà le seul personnage féminin. Donc, il y a peut-être ce côté aussi, dans un groupe d'hommes, ça permet d'apaiser l'atmosphère, le côté féminin. Et puis, elle a le côté vraiment urbain, cool, je m'en foutiste, alcoolique, dépravé. Elle s'en fout, en fait, elle est là, elle passe du bon temps, elle a des super pouvoirs, et à partir de là, elle se prend pas la tête. Je pense, enfin, passer du bon temps, j'ai le sentiment que, tu vois, son personnage se prend pas la tête, comme tous, elle a pas de dire, ah, je me tracasse, j'ai ça. Elle vit sa vie, en fait. Elle a pas envie de se trimballer avec des gars qui ont envie de fonder une équipe à un moment donné, elle va pas se faire chier. Pour moi, c'est un cliché, Jessica Jones, mais d'un autre registre. Nos amis qui nous regardent, qui sont otaku, donc fans d'anime, connaissent ce mot tsundere. C'est un cliché qu'on voit beaucoup dans l'animation japonaise ou manga. C'est cette personnage qui est froide, mais qui a un cœur pur en fait, et qui fera un peu comme ce que fait Jessica Jones, qui aura cette impression je m'en foutiste, mais qui en fin de compte fera la bonne chose. Mais tu te doutes bien évidemment que le personnage est un peu plus complexe. C'est un cliché qu'on retrouve beaucoup. Oui, mais je veux dire qu'on a vu énormément. Tous ces personnages sont des clichés. C'est un personnage que j'adore vraiment. C'est aussi dans son ADN. Je veux dire, Matt Murdock, c'est un personnage qui est dépressif. C'est un fait. Luke Cage a toujours eu un aspect héroïque. Je suis Harlem, Black Power. Mm-hmm. Ça a toujours été ça. Moi, ça me dérange pas du tout. Encore une fois, d'autant plus que la série est beaucoup plus comic book que les précédentes. Mais je pense surtout que par rapport au personnage de Jessica Jones, par rapport aux autres, elle a quand même réglé une grosse partie de son background par rapport à la première saison. Donc, vu qu'elle est dégagée de tous ses problèmes psychologiques et tout ce qu'il a rongé de l'intérieur, elle y va plus franco, plus direct, elle s'en fout, elle s'emballe et voilà. Que eux, ils ont quand même toujours des questions existentielles à se poser. Ouais. Chacun a ses trucs, donc c'est pour ça que... Mais elle, c'est le côté qui fait peser la balance dans le côté. Moi, c'est bon, c'est réglé. C'est vrai, c'est ça. C'est Luke Cage et Jessica Jones, dans leur série respective, ont réglé leurs problèmes de passé. Ils peuvent avancer. D'ailleurs, c'est ce que tu dis. D'ailleurs, Luke Cage, je ne cherche pas à repartir à zéro, je cherche à avancer. Oui, sauf que la différence, Luke Cage, il souhaite
avancer, mais en fait, il y a encore un truc de tuer entre deux chaises. Mais comme Matt Murdock. Voilà, Matt Murdock. Bon, alors parlons pas de la fin de Iron Fist, hein, où voilà, où lui il a tout perdu, pas de bol. Mais non, mon personnage préféré, ça reste quand même Claire Temple. Primo, c'est la plus courageuse de toutes, parce que moi je coucherai jamais avec avec Luke Cage, hein, le type capable de broyer comme ça. Et secondo, parce que si on parle de quelqu'un qui a livrant les pieds sur terre, la tête sur les épaules, c'est Claire Temple, jouée par la magnifique talentueuse Rosa Dawson, qui est une des plus belles femmes au monde. Et on lui confie à elle la direction de l'équipe des Defenders. Il y a trois épisodes. Hein. Elle dirait simplement, on trouve les méchants, on tape les méchants, mais les méchants en prison, c'est fini. Voilà. Ça a toujours été, de toute façon, dans les séries Marvel Netflix, le personnage qui faisait les bonnes transitions entre les différents univers. Et là, c'est le cas avec Iron Fist et Luke Cage. Je trouve que la transition, elle se fait super bien, en fait. Très naturelle. C'est vrai que l'alchimie entre moi ce que j'avais apprécié, c'est que l'alchimie entre ces quatre personnages se fait dès l'épisode 3. Ah oui, ça y est, il y a la rencontre entre le groupe et on se dit ça y est, c'est cool, ça va envoyer du lourd. Ouais. Et on sent qu'il y a quand même une alchimie qui passe, même avec Iron Fist qui avait du mal. On sent qu'il y a quand même une alchimie, mais il y a déjà des petits groupes qui se forment. J'ai ressenti mais ça. Mais encore une fois, c'est ça que j'aime bien dans la série, c'est que les personnalités, elles ressortent. On n'est pas dans un Avengers avec Iron Man et ses copains. J'avais un peu peur, hein, initialement, que ce soit ça. Que ce soit Daredevil et ses copains. Parce que Daredevil est la série qui marche le mieux chez Netflix. Et pour autant, bah, ce qui est bien, c'est que la chaîne laisse la possibilité aux personnages d'exister et peut-être même, pourquoi pas, trouver un autre public. Daredevil, et même tout à l'heure, tu parlais justement du fait que les personnages ont à peu près le temps de... La présence sur mais en fin de compte, non. En réfléchissant bien, Daredevil est même un peu plus effacé. Oui, mais Daredevil semble plus... C'est ce que je me disais. Daredevil semble plus effacé, mais en fait, si tu veux, pour moi, la présence d'Electra... C'est ça. L'univers est là, le personnage un peu moins, l'univers. Après, c'est vrai qu'il y a eu quand même deux saisons pour être construit, c'est pas mal. Mais là, tu parlais justement d'Adrien, de cet épisode où ils se rencontrent, la chimie se fait. Donc ça se passe dans une scène de combat qui commençait très bien, scène qu'on voit dans le trailer notamment, et qui commence très bien dans un immeuble. Où tu as Luke Cage qui vient sauver qui fait des choses. Mais le gros souci, c'est que cette scène commence bien. La musique apparaît de Run the Jewels, Run Jewels Part 1, Welcome to the Goblin, que je vous conseille d'ailleurs, qui est un groupe très aimé par Marvel, puisque c'est eux qu'on les entend aussi dans Iron Fist, Luke Cage, ainsi que Black Panther, qui va sortir l'année prochaine. Mm-hmm. Ça commence bien, sauf que malheureusement, cette scène de combat, on l'a vue entièrement dans le trailer. Et elle ne dure que une minute, même un petit peu moins d'une minute. Et c'est triste parce qu'il se passe pas tellement de choses en fin de compte. Et pourtant, la musique commence, tout commence, l'apparition, on sent une espèce de montée d'adrénaline parce que les quatre personnages convergent vers un point. Et je suis déçu. Mais c'est vrai que c'est un peu une sorte de montagne russe. Pour autant... Moi, je pense qu'on aura quand même beaucoup plus d'action dans les 4 prochains épisodes. Après, le 5 s'annonce très très bon. Honnêtement, les deux dernières minutes de l'épisode 4 sont terribles. Mais rappelle-toi aussi d'un truc, c'est que une série comme Luke Cage, qu'on aurait pu penser comme quelque chose de très action et tout, il y a très très peu de scènes d'action dans Luke Cage, hein, finalement. Et la série marche très très bien, c'est une série d'ambiance. Adrien. Ce que je voulais aussi apporter comme chose après ces 4 épisodes, c'est que par rapport, je pense qu'on peut un tout petit peu en parler, du personnage d'Electra, elle apporte une chose qu'on n'avait pas eu dans les 3 autres séries, c'est le côté horrifique et un peu gore. Qui me rappelle un peu la momie, moi. Ou Carrie. Ah ouais, c'est vrai, ouais. Donc il y a ça, je pense que à ce moment-là, le personnage d'Electra, dans la suite, peut apporter ce côté un peu horrifique dans la réalisation, dans... Fantastique. Je suis assez d'accord. Qu'il n'y avait pas dans les autres séries. C'est peut-être même ce qu'il y aura dans une potentielle seconde phase de Marvel Netflix. C'est vrai, c'est... Moi, je m'attendais à voir des mecs vu qu'on parle de portail, je m'attendais à voir des diables faire un peu comme dans Doctor Strange. J'aurais bien aimé ça, voir des moines combattants un peu à la, on sait que Madame Gao, qui est dans Iron Fist et dans Daredevil, utilise des portails pour voyager. On le sait, elle le dit elle-même, elle pourra la clouer, on le sait. J'aurais bien aimé qu'il se serve de Doctor Strange qui amène du mysticisme. Il n'y aura jamais Doctor Strange. Je veux pas avoir Doctor Strange. Je pense pas qu'il y ait ça. Pour autant, je pense que l'aspect fantastique, les portes et compagnie, je pense qu'on va en entendre parler
en fin de saison. Ouais, j'espère vraiment. J'ai une petite idée. Même si je trouve que là, alors c'est très curieux, sans trop vous spoiler encore une fois, je trouve que l'intrigue me rappelle beaucoup Batman Begins et Dark Knight Rises. Il y a beaucoup de choses, les groupes qui se forment, des activités terroristes, mais pas vraiment terroristes, par-ci, par-là, enfin, des retours, enfin. Bah, la main, de toute façon, c'est comme dans le comic, parce que, évidemment, il y a la main qu'on voit dans les trois séries, Daredevil, Iron Fist et Defenders, du coup, ouais, il y a la main, c'est clairement la Ligue des Assassins de Ra's al Ghul. C'est tout totalement ça. C'est tout à fait ça. Et, le personnage de Sigourney Weaver. On y arrive, du coup, je vais laisser Adrien qui va nous scander son amour pour Sigourney Weaver. Moi, je trouve que le personnage de Sigourney Weaver me rappelle à dans certains points un peu le personnage de Ra's al Ghul de Liam Neeson. C'est pas faux. Qu'est-ce que t'as pensé de Sigourney Weaver qui est un peu l'ouverture, le côté fraîcheur, la respiration de la série Defenders? C'est vrai que point de vue casting, c'est un très très bon choix parce que Sigourney Weaver est une très grande actrice qui a une palette de jeux assez énorme. Ça fait plaisir de la revoir. Tout à fait, déjà, premièrement. Après, c'est vrai que dans ces quatre premiers épisodes, je pense qu'on n'est qu'au début de son personnage. Elle est vraiment tout en finesse, tout en retenue. Mais je pense que si dans le scénario, il y a des moments où elle doit se lâcher, où elle va commencer progressivement à retourner sa veste, ou je sais pas comment on peut dire ça, le terme. On sent qu'elle est en train de monter. Elle a un bagage, et puis les rôles comme ça de femmes un peu fortes, que ce soit dans Ripley, que ce soit dans La Jeune Fille et la Mort, scène du violon. Voilà, c'est un très très bon choix. Et j'étais un tout petit peu déçu qu'il y ait ce côté personnage, donc vilain, méchant, je sais pas quel terme on peut apporter, mais qu'il soit pas si froide que ça. Il manque un petit quelque chose encore pour qu'elle soit encore terrifiante. Il manque le côté terrifiant du personnage qu'elle peut nous apporter. C'est vrai qu'elle essaie de tendre à être cette femme un peu cassante, mais je crois que c'est le début, sans vous spoiler, au début, assez rapidement, on comprend quelque chose qui va peser sur le personnage de Sigourney Weaver. Je pense que à partir de ce moment-là, on sait que le personnage est vulnérable. Ben, donc il y a moins cette force poignante, ce côté un peu terrorisant qu'avait par exemple le Kaïd. Bon, le Kaïd, à la fois il me fout les boules et d'un autre il me touche énormément. Ah oui, ce passage avec Ben Ulrich là. Mais en fait, je pense que c'est fait exprès. C'est un truc qu'on voit un petit peu et que moi ne me gêne pas trop. C'est un personnage enfin qui aime la vie. Personnage du coup joué par qui s'appelle Alexandra, qui est du coup personnage joué par Sigourney Weaver, est un personnage qui aime la vie, qui est cultivé, qui aime le monde en fin de compte. D'ailleurs, on comprend qu'il a vraiment beaucoup voyagé. Et ce qui est bien, c'est qu'elle dissémine tout au long de la série des petites informations. On ne sait rien sur elle, hein. Même là aujourd'hui, je vous dis, on a que des bribes. Voilà, des suspicions par rapport à une vie. Mais je trouve ça super. Et c'est super, mais ce que je trouve super, c'est qu'elle me fait un peur, parce que t'en connais beaucoup des personnages qui peuvent calmer Electra, toi. Et oui, parce que t'as un passage où elle se bat sans trop spoiler. On sent qu'elle a des atouts. Non, mais on sent qu'elle a du background, qu'elle a vécu. Voilà. Je crois que c'est le cas de le dire. Elle a vécu assez longtemps. Non. Mais pour autant, enfin, non, je sais pas, je trouve que. Je pense qu'on peut la résumer. Je pense que c'est le personnage psychologique, contrairement à toute cette équipe qui sont les muscles et dans l'action. Elle est plus dans le raffinement psychologique, un peu malsain, et ça peut envoyer du lourd. Moi, je trouve que c'est vraiment Ra's al Ghul. Complètement Ra's al Ghul. Il y avait un autre perso, j'y pense, Samir, un perso masculin que t'as adoré dans The Defenders. Stick, le bâton. Le bâton Stick est le meilleur personnage, que ce soit dans Defenders, dans Daredevil Evil, ou même dans Elektra avec Jennifer Garner. Stick, voilà, c'est tout. C'est tout ce que j'ai dit. Un personnage de Mortal Kombat, on dirait, c'est complètement, il me rappelle, en fait, on dit Raiden de Mortal Kombat. C'est Raiden de, qui a été joué par Christophe Lambert, qui en envoie nos grands bisous. Et, c'est complètement ça. C'est cette espèce de d'omniscience, omniprésence, en fait. On ne sait pas comment il est au courant de tout. C'est une véritable, c'est en Wikipédia sur pas de ce mec, il sait tout avant tout le monde, et puis il se passe un acte violent d'ailleurs qui s'inflige à lui-même, mais le type c'est comme si c'était coupé un ongle, rien à faire. Ça passe, il en a rien à foutre, le gars. Mais je trouve le personnage effectivement, c'est Alfred qui sait faire du karaté. Il a une gueule. Alfred sait faire du karaté. Oh, mais pas à ce moment-là, mon ami. Hein. Mais c'est surtout qu'il a une gueule, et quand on le voit, moi il me fait aussi penser au méchant de Avatar.
Oh non, mais non, mais dans le visage. Pourquoi tu dis ça? En plus, j'ai lu qu'en plus le méchant d'Avatar 1 allait être celui d'Avatar 2, Avatar 3, Avatar 4. Désolé. Non, mais le premier. Lui ou le. C'est Radcliffe de Pocahontas. Non, mais dans. Ah non, moi je trouve pas. Je trouve qu'il a une gueule plus dure. Il est plus dur quand même. Mais il a une belle gueule. Il a un côté que j'adore, il a un côté David Carradine. Il me rappelle beaucoup David Carradine dans Kill Bill. Oui, c'est vrai, dans Kill Bill, ouais, ce côté. C'est la coiffure qui fait ça. Il y a la coiffure, il y a la dégaine, il y a la dégaine, la façon de marcher, de déhancher. Ouais. Et cet alliage du cowboy solitaire, c'est un cowboy solitaire et arts martiaux, qui est vraiment. Ouais, c'est un militaire. Moi, je suis impatient de voir ce qui va se passer après. Bon, malheureusement, je pense. C'est pas du tout indiqué dans la série ou quoi que ce soit, on ne voit rien du tout. Ils en parlent pas. C'est mal barré. Mais je pense que c'est la dernière fois qu'on verra le stick. Je pense, parce que ça fait quand même trois séries, du coup, quasiment trois saisons qu'on le voit à stick. À un moment donné, on se doute de toute manière qu'il va falloir le faire clamser. À la fin du combat contre la main, je pense, sera aussi la fin de stick. La question de savoir, justement, ce combat, enfin, cette intrigue avec la main, jusqu'à quand il va durer. Moi, je suis pas sûr qu'ils arrêtent avec Defenders, hein, honnêtement. D'ailleurs, ça me semblerait bien curieux, mais. Il y aurait pas un retour des Kree de prévu, ou que ce soit juste pour, Non, je vois absolument pas les Kree dans c'est à New York, hein, mais on va voir, ouais, Moi, franchement, je pense pas. J'ai envie de savoir où. D'abord, j'ai une autre petite chose. J'avais demandé où est-ce que vous alliez positionner Defenders par rapport aux autres séries, mais je veux juste revenir sur un point qui va vous paraître un peu plus technique peut-être, mais on parle d'une série télé, c'est de l'image. C'est de l'art. C'est de l'art. Et les séries Netflix ont toujours amené quelque chose de plus cinématographique, je trouve, au produit que... ABC, voilà, CW ou autre, ou Fox. Ouais. C'est un autre débat, c'est un autre public, c'est autre chose. Moi, ce qui m'a un peu gêné, c'est que autant dans les épisodes, parfois, il y a de... très beaux plans, des choses vraiment pensées qui sont franchement cool. Autant des fois, il y a une sorte de grammaire, de cadre qui est vraiment dégueulasse et qui... Voilà, j'ai l'impression qu'ils se disent, bon, bah, on est en train de proposer une histoire sur 8 épisodes, donc en gros sur 7 heures, qui prend son temps, où il n'y a pas tellement d'action. On va essayer de vomir, franchement, ça me fait un peu de mal de dire ça, mais de vomir plein de cadres, plein de plans pour dynamiser l'intrigue, et ça me fait chier parce que à la fois il y a de très beaux plans, et moi je pense à une scène notamment dans une sorte de coffee shop où il y a de très beaux cadres cinéma, très beaux cadres même comic book, et des fois t'as des cadres un peu clichés de la série télé, et t'as envie de dire mais pourquoi alors que l'intrigue de The Defenders est excellente, les personnages sont bons, pourquoi tu te fais chier à nous mettre cette bouillie de des fois de cadres, de couleurs, mais ou les plans de coupe qui sont affreux, mais pourquoi? Par rapport à ça, je pense que, comme tu parlais tout à l'heure de l'univers, on va dire, visuel avec les couleurs de chacun, il se peut que, par rapport aux personnages, ils ont choisi à certains moments de faire des choix de focal, de plan séquence ou de tremblement. Par exemple, quand ça bouge un peu pour Matt Murdock parce qu'il est aveugle, quand c'est plus fluide, peut-être pour les Iron Fist, ou chaque. Un code visuel de cadre pour chaque personnage, peut-être. Mais que ça se fasse à certains moments, pourquoi pas, mais tu peux pas faire ça sur toute une série, parce qu'à un moment donné, ça devient chiant. Comme je disais, pour moi, la grande force de Defenders, c'est l'équilibre. Si à chaque fois, il y a une grammaire différente, enfin, un langage différent, ça colle pas. On est dans une série où ils sont unis. Moi, je m'attendais à avoir une couleur spécifique aux Defenders. Et pour l'instant, j'arrive pas encore à l'avoir. C'est une sorte d'arc-en-ciel, de... Bah, il y a du gris, bah, il y a les couleurs qui sont, voilà, liées aux Defenders, du jaune, du bleu, du vert, du néon, du rouge, enfin, il y a tout ça, et il y a du blanc avec Sigourney Weaver, enfin, je trouve que, qualitativement, dans l'image, Defenders est la série la moins intéressante, je trouvais que, avec Daredevil, avec Luke Cage, avec Jessica Jones, on arrivait à proposer vraiment un produit super qualitatif, dans l'image, hein, pas scénaristiquement, mais dans l'image, enfin scénaristiquement aussi, mais là, c'est comme on ne parle jamais de qualité avec Iron Fist. Hein, Ah non, je trouvais qu'Iron Fist était qualitativement une série vraiment pas bonne. Quoi. Ben non, enfin, donc voilà, moi ça me gêne un peu. Je trouve que c'est dommage parce que là, il y avait aussi un pari de faire quelque chose peut-être d'un peu
un peu différent, proposer une patte. J'ai l'impression qu'il y a il y a un petit effet anglais de Hulk, donc le film Hulk d'anglais, hein, pas les autres films, j'ai ici, mais anglais. Le film Hulk, donc le premier, hein, pas celui qu'on a eu après avec Edward Norton. Dans le fait où il ne se passe pas grand chose, c'est beaucoup de discussions, et du coup, on essaie de dynamiser ça façon comic books, en faisant des transitions, en faisant un changement de cadre, en faisant des superpositions qui ne servent à rien, des mises en abîme, au niveau des cadres, par exemple, on va filmer le miroir qui reflète, ben, ça sert à rien, je trouve ça vraiment à rien. C'est qu'en fait, il y a beaucoup de plans gadget, en fait. Exactement, et en fin de compte, ça détourne l'attention, beaucoup de ce qui se passe, alors que c'est des séries plus intimistes, normalement, les séries Netflix, donc là, ok, ça a plus action-packed, mais, là où Daredevil faisait bien le truc, c'était intimiste, et en même temps, on sentait le poids des coups, la douleur dans les paroles partout. Là, le problème, c'est qu'on a plus l'impression que c'est bourré de fioritures inutiles. Allez, dernière question pour situer un peu les amis qui sont en train de nous regarder. Vous êtes probablement des millions, hein, bien sûr, notamment Charlie Cox qui joue Daredevil. Où est-ce que vous situeriez The Defenders dans ce qui s'est fait avec Marvel et Netflix? Peut-être donnez-nous votre top 1, votre numéro 1, votre numéro 5, et où est-ce que se situe Defenders? Bah, numéro 1, moi je vais mettre Luke Cage, donc ça peut faire un peu cliché, mais je le mets parce que c'est la première fois que je vois une série du super-héros social, avec très peu de combats, très peu de choses, mais qui m'apporte énormément d'autres choses, une véritable culture, et surtout voir le côté parce que on n'a pas pu faire de one shot sur Luke Cage, j'en profiter pour dire ce que j'aime dans cette série, c'est l'appréciation de cet univers de super héros par les minorités ethniques mises au banc de la société. C'est ça que je trouvais, parce que Harlem est un quartier populaire, est un quartier difficile, et on parle très rarement, en fait, on parle souvent de l'américain moyen, mais très rarement de ce que peuvent penser les quartiers populaires de cette nouvelle vague de super-héros. Et ouais, j'ai beaucoup aimé. Dans le film de super-héros, hein, parce que sinon on en parle quand même un peu. Dans le cinéma américain, c'est aussi un peu ça. Hein. Ah oui, dans le cinéma américain, oui, je parle du film de super-héros. Hein. Ah oui, dans le film de super-héros. Ah oui, je parle de l'appréciation du film de super-héros. Dans les films de super-héros. Hein. Non, je parle évidemment. Et la dernière, je mettrai, moi, évidemment, Iron Fist. Voilà, pour toutes ces raisons, et notamment Finn Jones, je te remets encore plus de mauvais points, parce que après notre critique, ce monsieur il a essayé de défendre la série comme il a pu, on l'a vu, non Finn, ça se passe pas comme ça, et je dirais que il est quatrième. Defenders pour l'instant est quatrième, parce que j'ai pas encore vu la suite avant, donc, juste avant Iron Fist. Bien avant Iron Fist, mais quand même après Jessica Jones et Daredevil. Voilà. Adrien, ton numéro 1 chez Marvel: Jessica Jones, Daredevil, The Defenders, Luke Cage et Iron Fist. Mais encore une fois, Iron Fist très 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 loin. Jessica Jones, j'aime beaucoup, le générique est génial, l'actrice c'est bon, tout ce qu'on a dit sur elle. Daredevil, je vais y arriver. Pour le côté vraiment ambiance, combat, j'ai apprécié. The Defenders pour ce côté réunion, très très bien. Et les deux derniers, je les ai mis en 4 et 5 parce que si vous ne les avez pas vus, je ne pense pas que ce soit très obligatoire de les voir pour comprendre The Defenders. De toute manière, vous pouvez voir Defenders si vous n'avez pas vu les autres. Le premier épisode vous servira de transition. Après, je vous conseille quand même un petit passage par Wikipédia. Ça peut vous amener des pistes. Mais peut-être pas Iron Fist. Comme vous. En top 5, enfin en dernière position à Iron Fist. Très honnêtement, ça reste une déception. Je suis quand même assez curieux de voir ce qu'ils vont faire sur une seconde saison. J'espère qu'il y aura une ouverture vers, l'international. Il nous parle, voilà. Moi, il y a un truc qui me gêne aussi. Il nous dit, ouais, j'ai pris l'avion, je suis allé à Rio, je suis allé en Asie, je suis allé en Europe, en Russie. Mais bordel de merde,
Mais pourquoi on voit pas ça dans la série Iron Fist? Pourquoi on le voit pas voyager? Mais ça pourrait être génial, le Bruce Wayne de Marvel, quoi, j'ai envie de dire. Mais faites-le voyager, foutez-le dans un avion, nom de Dieu, quoi. Ça me rappelle un petit truc que j'ai vécu par rapport à ce genre de truc, c'est, cette année, il est sorti un jeu qui s'appelle Final Fantasy XV, qui parle tout le temps de ce qui avait été fait avant, enfin, dans la diégèse, avant le jeu vidéo. Et j'ai l'impression que les personnages de avant le jeu vidéo ont vécu une meilleure histoire que moi. Ben là, j'ai l'impression que pour Iron Fist, c'est la même chose, les trucs sont passés des trucs de malade. Voilà. J'ai bien l'impression que entre Iron Fist et Defenders, bah, il se passe des choses bien plus intéressantes pour le perso que dans Defenders ou dans Iron Fist. Et ça, ça me gêne un peu. Je continue aussi, merci. Mets-toi bien parce que sinon on va te voir flou après. Merci. Non, après, en première position pour moi, ça restera toujours la première saison de Daredevil. C'était l'introduction, c'était assez novateur, il y avait le personnage de Kingpin qui apportait une fraîcheur incroyable, les combats étaient géniaux, je trouve que ça reste les meilleurs combats de tout l'univers Marvel et Netflix. Voilà, franchement, ça reste vraiment pour moi la série majeure de Marvel Netflix. Je dirais pas que Defenders le dépasse parce que il y a moins de profondeur dans les personnages, dans l'histoire, il y a une intrigue qui est moins bien construite. Mais encore une fois, j'ai vraiment, vraiment pris mon pied. Je m'étonne encore d'avoir autant pris mon pied. À chaque fin d'épisode, j'étais putain, genre, allez, on a envie quoi, là, ça monte quoi, on est excité. Enfin, après, ça fait un peu trop sexuel là, ce qu'on dit. Mais... Non, mais franchement, c'était génial. Vraiment, j'ai vraiment, vraiment pris mon pied. Alors moi, c'est sûr, je regarde les 4 prochains épisodes avec joie, et j'espère que ça, ce qui va se passer. Enfin, voilà, je trouve que c'est vraiment une très bonne conclusion de cet univers Marvel Netflix. Et je suis très très curieux de ce qui va se passer après, pour le coup. Non, je voulais juste rebondir une toute petite parenthèse par rapport à ce que tu disais pour Iron Fist, le fait de vouloir le voir dans tous les pays qu'il a traversé. Ouais, ça me fait penser, après, c'est peut-être le risque aussi de tomber un peu dans ce qu'avait fait Alias, dans un autre univers. Parce que, et ça partait après, à la fin, trop dans du studio, trop dans du cheap, et puis... Honnêtement, ils seront pas plus cheap que sur... Enfin, ils peuvent très bien tourner aussi dans d'autres lieux. Oui, tout à fait, mais... Ils sont pas obligés de tourner... Enfin, honnêtement, les séries Netflix, elles sont pas que tournées dans les rues de New York, hein. Tout à fait. Mais après, c'est juste trop peut-être vouloir voir de choses, on peut être déçu, tu peux être déçu de... Non, mais on n'est pas obligé de faire un épisode par ville, par pays. Okay. On peut quand même le voir un peu voyager. Enfin, je veux dire, moi, c'est ce que j'attends aussi d'une série comme Iron Fist. Et lui veut rêver, veut voyager, oui, vendez-lui du rêve. Payez-moi du voyage, bordel de merde, quoi. Ce sera d'ailleurs la conclusion de cette émission. Merci à vous, messieurs. On reparle série télé pour Inhumans. Le Power Rangers de Marvel. Voilà, c'est pas trop quoi dire, malheureusement. Merci à vous d'avoir regardé cette émission. N'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne YouTube, à mettre un pouce bleu si vous avez aimé l'émission. Si vous ne l'avez pas aimé, un pouce bleu quand même. Un pouce bleu quand même et un très gentil commentaire. Waouh, on a adoré votre vidéo. Waouh. Ou dites-nous comment enfin prononce Daredevil. Oh. Voilà, exactement. Sauf qu'en écrit, ça sera un peu compliqué. N'hésitez pas à liker notre page Facebook. Merci à vous, très chers Defenders. J'avais vraiment rien d'autre à faire. Scripters, voilà. Cette fin d'émission est catastrophique. Merci à vous. À très bientôt. Ciao.